à mon commandement. Pas de sémapoutisté. Chacun derrière son quelqu'un. Greffier. Dégâts. Suite à la sortie. Catastrophe. De Yaka Yaka, la toile Facebookale du côté des Ivoiriens s'est embrasée. Suite à cela, Lola Beauté a décidé de mettre le poing sur les i. Si jamais tu me punis. Le cri de guerre, s'il te plaît. Chaque jour qu'on Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Équilibre. Bâti-toi. Ainsi donc, Lola Beauté, dis-nous. Quel est ton ressenti depuis la sortie catastrophe de Yaka Yaka dans ce clash de blogueurs et influenceurs ivoiriens? Je vois encore la vie s'en est. Sautez là-bas. Maman, la vie s'en est ici. Venez se jouer comme d'habitude. Maman, l'homme le plus parfait, le Saint Jésus-Christ, le donneur des leçons. Alléluia. Alléluia. La tisonnette va donner des coups au bébé. Ta place à la cuisine. Et qu'est-ce que celui-là est en train de dire? Je vois un autre discours parce qu'avant de venir parler de quelque chose, il faut t'imprégner de tout ce qui se passe sur la toile. N'as-tu pas comprendre? Avant de crier fort sur celui-là même qui fait partie de ton sang, du nom de Yaka Yaka, parce qu'il fait Yaka Yaka de Paris, fait partie de mon sang. Lui et moi, on forme une seule chair. On est mariés devant l'éternel des armées. Ok, ça on a compris. Poursuivons. Votre stratégie, vous les voisins d'à côté là, vous lancez des pics et puis vous supprimez. Hein? Pourquoi? Mais pourquoi? Moi je comprends rien. Quand nous on voit ceux qui ont vu les sortir, quand ils sortent sur vous, on s'en regarde sur votre page, c'est supprimé. On a connu maintenant vos systèmes. Papa, Enyo salité wa. Hein? Obenga oni. Enyo salité wa na sali. Maman, c'est quel genre de famille qui ne peuvent pas prendre la responsabilité? Quand tu mets quelque chose, vous le laissez jusqu'au bout. Il a fallu Mola. Tu dis que tu parles plus du général Kami Makoso. Il a fallu Mola. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent que oui, Kami Makoso ne veut pas laisser le petit, ne pas laisser le chanteur génie en herbe, comme on appelle ça, la tisse en herbe. Il ne veut pas laisser la tisse en herbe. Pourtant, la tisse en herbe, après avoir été déçu par le général Kami Makoso, il a mis un poste visé. C'est Mola International à qui je claque le bisou, qui a le commenté pour dire hé, il faut arrêter. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole, c'est toi on va écouter pour venir dire que non, tu es une victime. Victime de quoi? C'est le game. Ça va là, la guise, ça. Quand tu avais commencé ton clash avec le général Kami Makoso là, tu m'as vu venir parler dedans. Point d'interrogation. Very good question. Une nuit à 1h du matin, comme un petit sorcier. Maman, le chanteur en herbe s'est levé. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a fait sa longue bouche là. Ça n'existe pas. Bon, qui est le ministre de l'éducation nationale dans ce pays? Est-ce que tes soeurs sont mariées? Yéléo. Je te rappelle ici que notre première grande soeur, c'est elle qui nous a élevés. Elle est comme notre mère. Parce que quand notre maman a divorcé notre papa là, c'est elle qui nous a élevé, tu l'as insulté. Ah, ça va m'en envoyer, cousin à Outang. Mais il ne s'est rien fait autant. Classe, c'est elle, Linguermo. Tu connais sa vie? Toi, tu dis que tu ne suis pas parent des gens. Tu as insulté notre maman, qui est notre grande soeur. Ou mais tu as oublié. Moi, Lolo Beauté, qui n'avait rien à voir dedans. Tu es venu me mettre dedans et insulter ma bouche. Et quel est ton ressenti face à cette vidéo qui était tournée dans le salon parlant de Yaka Yaka? Ton propre salon, les gens sont en train d'insulter un monsieur qui n'a pas demandé à ce qu'on mette son nom dans la chanson de ton fils. Tu commences à rire. Tu veux que le monsieur pense quoi? Point d'interrogation. Very good question. De cette vidéo là, doigt d'honneur qu'ils ont fait dans toi, ta propre maison. Je crois que toi tu es toujours là pour dire que je suis pour la paix. Hé, hey, chanteur en herbe, toi franchement, tu es la honte des blogueurs. Oui. Parce que c'est toi qui emmènes tes blogueurs en herbe pour aller jeter ta main à la vedette populaire. Tu n'aimes pas ta maman. En fait, tu fais croire que tu l'aimes, mais tu te sers d'elle comme une arme bouclière. Je ne sais pas si boucle est gros, mais tu te sers d'elle comme bouclière. Ah! Ma chérie. Oh. Ah.
temps te jouer à la victime pour que lui les abonnés disent oui c'est vrai, c'est toi toujours on fait ça, c'est toi toujours on fait ça. Ah, maman Nangaye. Jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? On est les artistes en herbe en personne. Tu sais que tu as un esprit de provocation. Tu as reçu, comment on appelle ça? Eh, bip bleu, il y a eu problème. Donc quand tu recevais les athlètes, les blogueurs en herbe, tu savais à quoi t'en tenir. Tu savais que là, comme ils sont avec toi, forcément ils vont faire la provocation.